Monsieur le ministre Siméon Savadogo, par décret numéro 2021-0002, presse PM du 10 janvier 2021, vous avez été nommé ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique. Cher frère Batio Bassière, ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique sortant, pendant 5 années, nous vous avons vu à la tâche. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière d'environnement, d'économie verte et de changement climatique. Soyez-en remerciés. Mon très cher ami, Monsieur le ministre Siméon Savadogo, au nom de leurs excellences, messieurs, le président du FASO et le Premier ministre, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Félicitations. Je voudrais de prime abord vous demander, mon cher ami, secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, de transmettre à leur excellence, M. Rochmar Christian Kaboré, président du FASO, et à M. Dabiré, Premier ministre, toute ma reconnaissance pour la confiance renouvelée à le fait de m'envoyer ici comme ministre après m'avoir confié la mission de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Je voudrais deuxièmement reconnaître ici le travail qui a été fait par mon jeune frère et ami Bassier Batio. Quand j'ai échangé avec lui tout de suite, j'ai failli prendre mon calepin et ressortir. Parce que le bilan positif est tel que je me demande est-ce que je pourrais faire, ne serait-ce qu'autant que lui. Mais ce n'est pas ça la question. L'autre question, c'est le défi. J'ai dit, mais attends, si c'est comme ça, autant repartir parce que c'est énorme comme défi. Donc, ce que tu me laisses. Alors, je voudrais simplement, comme vous l'avez demandé, dire que aucun homme seul ne peut réussir une action sociale. Il n'y en a pas. Donc c'est toujours ensemble et de façon sociétale qu'on arrive à gérer les questions, qu'on arrive à aboutir à des résultats probants. Alors, comme tu l'as demandé, j'insiste là-dessus. Je demande à ceux qui sont donc dans ce ministère de nous accorder leur soutien et leur dire que nous allons travailler de façon continue. Nous allons continuer le programme que Bassière a commencé et nous allons tenter ensemble de les améliorer.